Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur cet Interteam Assetto Corsa. Nous sommes ce soir ensemble pour vivre la première manche. Bien évidemment, vous étiez avec nous lors de la diffusion de cette course et vous avez vu et entendu qu'il y avait eu de nombreux problèmes techniques. C'est ce pourquoi cette introduction est tournée au moment du montage de la VOD. Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Le jour de la diffusion, j'ai eu un énorme problème technique qui m'a tout simplement supprimé l'entièreté des sons de mon ordinateur puisque j'ai tout simplement réaménagé mes installations. Faisons brièvement. Le souci, c'est que 4 programmes que j'utilise, à savoir XSplit, notamment le programme de gestion de mon son, ainsi que mon programme de diffusion et Assetto Corsa, ont été mis à jour. Ce qui veut dire que, dans l'ensemble, j'ai perdu énormément de paramétrages qui ont conduit à cette diffusion. Vous allez le voir et vous allez l'entendre, il y a des trous de son, notamment en tout début de séance 1 de qualification. Je vais vous recommander tout cela, évidemment, en temps utile. Pour vous proposer, je l'espère, une VOD plus que fluide et que compréhensible, avec un fond sonore sans doute pour habiller tout cela, puisque vous n'entendrez pas les BMW. Cela va durer pendant la première séance qualificative. Malheureusement, le temps de régler les soucis pour la diffusion, je n'ai pu être présent pour le départ de la première épreuve. Et je tiens une nouvelle fois, comme je l'ai fait de nombreuses fois lors du live, à m'excuser pour cela. Néanmoins, plantons le décor de cette première soirée, si vous le voulez bien, avec tout d'abord le circuit qui nous accueillera ce soir. 2 configurations pour le tracé d'Okayama, anciennement circuit d'Aïda pour le Grand Prix du Pacifique, c'était en 94 et 95. Nous sommes à Mimasaka au Japon, 3,7 km pour le Grand Prix à l'époque et pour ce circuit complet qu'on utilisera en course 2, puisque pour la première épreuve, c'est la particularité de l'Interteam de cette saison 2019, et bien on va utiliser 2 versions du même circuit sur la soirée. Il y aura toujours les changements de serveur bien entendu, 13 virages, et vous allez voir qu'on va en fait couper le circuit au niveau du virage numéro 2 au lieu de partir à gauche, et bien on va se diriger tout de suite vers le virage numéro 7 avec une chicane qui sera instaurée. Ça nous promet, je pense, des courses très serrées, surtout un tour en moins d'une minute. Pour la voiture qui sera utilisée lors de 2 manches des 4 prévues dans ce championnat, eh bien il s'agit de la BMW M2, la 2 Competition qui était disponible à l'époque dans Assetto Corsa. Ce n'est pas un mode, donc vous avez une voiture qui pèse 1 tonne 4 pour 541 Nm de couple, une boîte 6 vitesses. Les pilotes sont autorisés à utiliser l'ABS, le Traction Control et le DGL à l'embrayage. Bref, une voiture qui risque d'être un peu plus facile à piloter que les Porsche Super Cup et les Honda que nous avions l'habitude de voir l'année dernière. Au niveau de ce championnat, il y aura donc une soirée bien organisée. Mais tout d'abord, parlons du calendrier. 4 épreuves nous attendent dans cette Interteam jusqu'au mois de juin. Il y aura donc ce soir Okayama, ensuite le Red Bull Ring en Autriche le 9 avril, le 7 mai Vallelunga en Italie, et enfin la finale qui aura lieu à Silverstone le 4 juin prochain. Vous avez dans la description les URL vers les liens de diffusion des prochaines manches, de quoi vous permettre de retrouver les liens des prochains directs. Cela vous permettra aussi de placer, pourquoi pas, quelques petits rappels. On jette un coup d'œil sur la planche théorique du timetable, donc les horaires de la soirée. Nous devrions avoir le début des qualifications à 21h15. Vous allez le voir dans la VOD qui arrive. On a eu un petit peu de retard. Pourquoi ? Parce que c'était le premier briefing de la saison. Beaucoup de nouveaux pilotes. On rappelle qu'il y a plus de 130 pilotes qui ont réussi à être inscrits pour les 5 divisions de cette première Interteam. Bref, le succès est au rendez-vous et merci à tous pour avoir réussi cela. J'espère que ce soir vous vous amuserez. Je suis conscient de la qualité sonore et de la qualité des images qui vous seront proposées. J'ose espérer que la prochaine sera bien meilleure. Je rappelle évidemment que toutes ces diffusions sont faites en fonction des moyens qui sont les nôtres. Tout ceci reste amateur. Je tente de le faire de la manière la plus professionnelle possible, mais malheureusement, comme pour beaucoup, une fois que les soucis techniques sont là, nous ne pouvons que faire en faisant partie de ce qu'il nous offre comme contenu. Merci à toutes et à tous pour votre compréhension. Je vous laisse tout de suite avec le début de la qualification 1. Et le drapeau vert qui est présenté dans cette séance qualificative où nous allons donc vivre 15 minutes de lutte face au chronomètre. On espère que les pilotes vont pouvoir trouver une place sur ce petit circuit. Pour l'instant, vous le voyez, 16 pilotes ont réussi à prendre le chemin de la piste. D'autres vont également quitter cette voie des stands. On espère évidemment que devant on retrouvera un peu de variété, peut-être différentes structures. Vous le voyez, je vous l'expliquais, les voitures sont bien représentées par les couleurs qui représentent la structure qu'ils défendent. Par exemple ici l'équipe ACFR avec Pierre Moulin qu'il faudra surveiller, l'un des pilotes les plus véloces de l'équipe. D'autres structures sont représentées, évidemment les TX3 avec leurs couleurs vertes et bleues, les Gentleman Simracers ou encore la FFSA en la personne de David L'Espèce. Bref, plein de structures. Vous retrouvez une grande partie de celle-ci dans la description. On est avec Pierre Moulin. Je vous propose
propose un tour en caméra embarquée en compagnie de Pierre pour ce début de qualification. Nous allons tout d'abord passer devant les stands, freiner dans le premier droit, une opportunité de dépassement si l'on sort bien du dernier virage. La longue courbe à droite qui enchaîne avec un deuxième droit beaucoup plus serré. Vous voyez, à gauche, on laisse le circuit de Grand Prix. Un double droit à double corde ici, très délicat. La sortie de ce gauche conduit une petite ligne droite qui peut aussi amener, pourquoi pas, à un éventuel dépassement, en tout cas une mesure d'intimidation face à votre adversaire. Une épingle à gauche qui enchaînera sur une épingle à droite. Légère remontée ici, le délestage de la voiture est un petit peu particulier. On retrouve une nouvelle fois la corde et on réaccélère dans la remontée. Et Pierre Moulin aura désormais deux droits à prendre. Ici, un peu de vibreur, on essaie de ne pas aller trop loin. Ici, le vibreur qui est à gauche et à l'extérieur de la piste est un peu délicat parce que généralement, cette partie de la piste aurait pu être plus sympathique pour les pilotes au niveau de l'attaque avec un vibreur qui aurait fait tout simplement 2 mètres de plus. Jean Luré, pour l'instant, est en 55, 657, 55, 750 pour Pierre Moulin. Vous venez de le voir. Pierre Lagrange est pour l'instant 3e, battu à l'instant par Patrick Noturno. Derrière, ça se bat. David Lespès a signé le 8e chrono. Il est battu. D'ailleurs, Cédric Unreal en 3e position. Les premiers chronos qui tombent et déjà très peu d'écart parmi les BMW de tête. Jean Luré, 55, 658. Ce pourrait être déjà un temps suffisant pour obtenir la pole. Il reste évidemment 12 minutes et 28 secondes dans cette séance. Tout est encore possible, bien entendu. Pour l'heure, nous, on va continuer de suivre tout ça. Jean Luré, toujours à l'attaque. Vous voyez ce vibreur hein, dont on parle beaucoup, où il manque un petit peu de longueur pour pleinement accueillir les pneumatiques des voitures. Jean qui va s'écarter, il en a terminé avec ce tour-là. Il reste en 55, 658. Et derrière, tout le monde a quasiment signé un chrono. On attend encore peut-être Ludovic Mézier. Ludovic à qui on doit, je le rappelle, une partie de l'organisation de cet interteam. On remercie également les gentlemen simracers, les GSR qui nous accueillent sur leur TeamSpeak pour cette diffusion. Et la participation de tous est importante. On a donc Jean Luré qui est pour l'instant en pôle provisoire. Pierre Moulin deuxième, Maximilien V10 est ici au 4e rang devant Cédric Unreal. Patrick Noturno 5e, Michael Van Lierde 6e position devant Kevin Lagrange. Thierry Davidson est 8e devant Laurent Bozzacco, pardon, et Anthony Jolin qui complète le top 10. Bozzacco dans la pit lane, tout comme David Van der Straten, le pilote suisse qui est pour l'instant 18e. On retrouve des noms que l'on connaît un peu moins dans ce championnat. On va les suivre évidemment, notamment Philippe Brigonnet qui pour l'instant fait un bon début de séance. Il est 15e, Freddy Ferentiel, très bonne blague et on le salue. Freddy Ferentiel 14e. Ensuite, on retrouve David Van der Straten 18e. Vialon, Oleg Vialon qui représente l'équipe AMK. L'équipe AMK qui est facile à reconnaître puisque ces BMW sont toutes d'orange vêtues. Kevin Lagrange est 3e et il repart en piste. La BMW qui va attendre. On va d'ailleurs passer la voiture de l'équipe AMK dans le fond de l'image. Et on retrouve évidemment des noms qu'on a pris l'habitude de voir comme des pilotes comme Rodrigue Guélet qu'on suit depuis peu de temps. Alors est-ce qu'on va y aller pour Kevin Lagrange? On hésite. Le feu est vert mais la piste n'est pas libre. Et ça passe pour Kevin qui a donc récupéré l'accès à la piste. Quelques frises, quelques lags évidemment dans ce début de séance, mais ce n'est pas le pire puisque pour l'instant vous n'avez pas de son, nous en sommes tout à fait conscients et on va tenter de régler le problème d'ici la prochaine diffusion puisque je vous le rappelle, il y a eu quelques petits soucis, on est conscient de cela. Elle vous a d'ailleurs mis une petite musique pour vous accompagner dans cette explication de la qualification 1 qui s'est donc déroulée. Pour l'instant, sans encombre pour les pilotes de l'équipe TX3, puisqu'hormis Pierre Moulin, devant, eh bien, c'est que du vert qui domine les trois premières lignes. On a Cédric Unreal également avec sa voiture aux couleurs M&M's, très particulière, qui n'est pas sans rappeler la monture de Kyle Busch en NASCAR. Et d'autres pilotes qui signent de beaux chronos. Derrière, Patrick Noturno 6e, Michael Van Lierde 7e, Pierre Jarmoléo 8e, 9e place pour Davidson et Laurent Bozzacco qui fait son entrée dans le top 10 puisqu'Anthony Jolin est relégué au 11e rang pour l'instant. Et on va reconnaître d'autres voitures bien sûr tout au long de cette interteam. On aura, je le rappelle, la BMW qui nous accompagnera jusqu'à la fin de la deuxième manche. On retrouvera la Lotus Evora pour les deux dernières épreuves. Tout cela devrait permettre évidemment de varier un petit peu les performances et les plaisirs. En tout cas, sachez que tout le monde est à la même enseigne. Il y a quelques pilotes qui évoluent à la manette, alors qu'ici, je vous intègre un petit peu une autre source qui vous permettrait peut-être de récupérer le son. Ça n'a pas été le cas lors de la diffusion. On reste donc statu quo pour l'instant avec cette séance qui est bientôt
À mi-distance, il reste un peu plus de 8 minutes 30. On était à 15 minutes allouées au pilote pour signer la meilleure chrono. Il n'y aura pas de super pole hein, tout à l'heure. Ce sera bel et bien une deuxième séance qualificative classique. Il n'y aura pas qu'un one-shot pour les pilotes. Vous avez eu l'habitude de voir ce genre de choses encore cette année avec le championnat que l'on a la chance de suivre du côté des TX3. Mais il n'est pas question cette fois-ci de se retrouver avec ce genre de réglementation pour les qualifications. Alors, du côté de Jean, on ne touche pas à son chrono. C'est terminé pour le poleman provisoire, alors qu'on retrouve d'autres pilotes. Pierre Moulin, notamment, le meilleur des ACFR. On l'avait dit en début de séance qu'il fallait surveiller Pierre avec cette BMW grise qui est sans doute l'arme la plus affûtée de l'équipe pour l'instant. On notera également derrière la présence de quelques pilotes de l'équipe OTR qui sont plutôt bien remontés dans la hiérarchie, ainsi que les pilotes GSR un peu plus absents ce tout début de séance, mais il reste encore du temps bien sûr. Vincent Queudeville qui se place en 11e position, détrônant ainsi Anthony Jolin qui chute au 13e rang. Pierre Giarmolé au 9e, derrière Michael Van Liert, ça c'est bien aussi. Devant, eh bien toujours Jean Luré hein, qui est en tête, devant Pierre Moulin et Kevin Lagrange pour le top 3. Pas d'amélioration pour Pierre Moulin. On est dans les 5 dernières minutes de cette séance. Avec toujours Jean Luré qui est en tête. Désormais, Maximilien Védis est ici au deuxième rang. Pierre Moulin est troisième. Kevin Lagrange, quatrième. Laurent Bozaco est en cinquième position devant Cédric Unreal, sixième, qui est une bonne performance pour l'instant de la part de Cédric. On est avec, au passage de la ligne, Kevin Lagrange, peut-être pour améliorer. Non, il restera en quatrième position. Et ça nous met donc beaucoup d'espoir du côté de l'équipe des Virtual Driver TX3 qui vont dominer pour l'instant quasiment les trois premières lignes. Pierre Moulin qui est au stand est pour l'instant troisième. Tout le monde a chaussé des pneus médiums, seul Freddy Ferrand, elle est partie en pneus hard, ainsi que Cédric Leroy. Je ne sais pas pourquoi ce choix de pneumatique dans cette séance qualificative. On rappelle que les pilotes n'ont pas de choix précis concernant la qualif ou la course. La course de 20 minutes qui devrait d'ailleurs permettre à certains pilotes de prendre des risques au niveau pneumatique. Et on est dans les dernières secondes de cette séance. On va évidemment couper court pour tenter de régler le problème avec le son. Revenir pour vous proposer peut-être le début de la course. On va rater malheureusement le départ. Sachez qu'au niveau de la grille, il n'y aura plus beaucoup de changements. Kevin Lagrange, troisième, vous le voyez. On va évidemment avoir droit à une pause qui va durer quelques secondes et on va se retrouver en course au moment du départ. Sachez que le départ s'est placé de manière correcte. Peu de choses à notifier, si ce n'est peut-être eh bien, le souci technique dont a été victime Vincent Queudeville qui s'est fait pousser au premier freinage. Vincent s'est retrouvé donc en fond de peloton. Hormis ce point de course, vous n'aurez absolument rien manqué. On va donc retrouver tout de suite le début de la course 1 qui va débuter et qui a déjà débuté malheureusement. Allez, je vous laisse avec les images du live en direct. Le départ, c'est incroyable, je suis navré, vraiment navré de ce qui se passe, j'ai honte de moi, mais bon, on va essayer quand même de vivre ce qui se passe. Visiblement, Kevin Lagrange aurait pris le dessus, mais comme l'overlay marche une fois sur trois, on va attendre. C'est Jean Luré qui a l'air d'être en tête. Voilà, devant Maximilien Védis et Kevin Lagrange, effectivement. Allez, on va essayer de se mettre dans le bas, c'est pas facile hein, émotionnellement de se remettre là-dedans, je vous avoue que je suis... C'est dur. Bon, bref. Allez, on va essayer de se concentrer, évidemment, et de regarder un petit peu ce qui se passe. Notamment, vous demander si vous avez enfin le son. Vous l'avez, c'est quand même dramatique. Vite, fait que, eh bien, on ne peut même pas s'installer et profiter d'un travail professionnel. Merci beaucoup. Ça donne envie d'investir, évidemment, dans la suite du programme. L'association avec OBS a du bon. Allez, on oublie ça et on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe dans les 16 minutes 25 qu'il reste. J'espère que le son maintenant n'est pas trop fort, que vous entendez bien les voitures mais qu'elles ne saturent pas au niveau de ma voix. Alors Pierre Moulin qui s'est déconnecté du serveur, visiblement un problème du côté de Pierre. Pour l'instant ce sont 4 voitures de l'équipe des TX3 qui sont en tête. On retrouve ensuite Cédric Unreal qui est 5e. On va retrouver Cédric, le voici avec sa couleur M&M's bien sûr, qui est peut-être un hommage à Kyle Busch, qui sait. Et derrière, on a une autre voiture des TX3, celle de Patrick Noturno. On profite évidemment un petit peu du son des voitures. Il n'y a pas l'air d'avoir eu de gros accrochages dans ce début de course. Et le peloton qui évolue pour l'instant sans grosse difficulté. Je suis vraiment navré d'avoir raté le départ.
avec les problèmes techniques. On a attendu 20 minutes, il ne s'est absolument rien passé. Mais voilà. C'est quand il se passe quelque chose que ça marche pas. C'est un peu le jeu, ma pauvre Lucette, mais croyez-moi qu'après 4 ans, il y a quand même de quoi râler, de voir qu'on n'arrive pas à obtenir une stabilité malgré tous les efforts et l'argent mis dedans. Bref, allez, on revient sur la tête de course puisqu'il y a bagarre actuellement. On est sur la voiture de Jean Luret à l'arrière de sa BMW qui, pour l'instant, reste 3 dixièmes devant celle de son équipier Maximilien Vedi. Ça, c'est la situation actuellement. Parmi les autres pilotes derrière, pas de mauvaise surprise. On n'a pas eu de chute, semble-t-il, hormis peut-être celle de Vincent Queudeville. Vincent Queudeville qui s'est retrouvé bien plus loin dans le peloton. Il est 20e avec des stigmates sur la partie gauche de sa BMW et droite également. Donc, à mon avis, il y a dû avoir du sandwich au départ. Et Vincent qui a dû chuter au niveau de la qualification. Je suis navré, je n'ai pas vu la position à laquelle... Notre ami Vincent était au niveau des qualifs et là par contre il était mal placé et il va se retrouver pris entre deux voitures, une à gauche, une à droite. Les GSR vont attaquer en tenaille l'intérieur dans l'épingle du troisième partiel, ça va passer mais difficilement. Grosse attaque du côté de Vincent Queudeville. On reste évidemment sur l'arrière de la BMW. Neuvième place pour Vincent, ça n'est pas facile. Retour avec Thierry et Davidson qui est 9e pour l'instant. Meilleur représentant de son équipe. Ils sont à la lutte avec Pierre Germoléo de l'équipe ACFR. La team CVGP qui est ici bien représentée avec une 9e place dans cette division 1. Le site faminardi.com que l'on reconnaît sur l'arrière de la voiture. Il y a des sponsors assez originaux qui... pop un petit peu partout sur les livrets, c'est intéressant. Devant Maximilien Vedi toujours deuxième, Kevin Lagrange troisième, le quatuor de tête ne bouge pas pour les TX3. Xavier Carrara qui est 24e avec une voiture très jolie pour l'équipe Passion Méca, 24e pour le moment. Cédric Leroy pour l'équipe OTR est pour l'instant 12e. Cyril Sossé qui est 11e pour l'instant. Bon départ pour lui également. Le voici à l'image. Avec trois noms sur la voiture, c'est plus simple pour se partager les livrets. Retour sur la voiture de Cédric Henrid qui est donc bien 5e, le meilleur des autres pour l'instant. Il casse un petit peu la hiérarchie des TX3 en se mettant 5e devant la voiture de Patrick Nocturno. Patrick qui est pour l'instant 6e avec les phares allumés, facile de le reconnaître. Et il se défend des attaques de Michael Van Lierde, qui revient de plus en plus derrière. Voici Michael à l'image, pilote GSR le mieux placé de cette division 1. Et nouveau tour couvert, déjà 8 tours dans cette course, il reste 12 minutes, un peu moins. Nous sommes loin d'avoir tout vu, je pense, dans cette situation. Avoir du changement. Bon, peut-être pas au niveau de la tête de course, même si l'écart est assez faible. D'ailleurs, d'autres voitures sont plus proches, moins d'une seconde, 4 dixièmes, notamment avec la voiture de Ludovic Mézier, qui est ici et qui se défend face à Philippe Brigonnet, qui est juste derrière. Philippe Brigonnet avec l'équipe OTR, 15e pour l'instant. On a David Lespèce qui est là pour représenter la FFSCA, avec une BMW très... Yvan Mulleresque, ça rappelle un peu l'Union Jack, mais cette griffe est également un
bon souvenir des voitures FINA qui étaient pilotées à l'époque notamment par Aiello et surtout par Yvan Muller dans le championnat de France de tourisme. Donc pourquoi pas, clin d'œil assez sympa d'ailleurs, la FFACA qui a inauguré son nouveau logo, vous le voyez sur le côté sur les portières, très très sympathique évidemment de retrouver la FFACA avec, avec David ici. Cyril Saucé, on en a parlé tout à l'heure, le revoici, pilote de la GTR qui est toujours porte du top 10. Anthony Jolin qui a pris un petit peu d'avance. Attention à Ludovic Mézier qui est en train de se faire attaquer. Ça n'est pas le seul. Ça chauffe également derrière. On a Franck Curbelo qui lui aussi est menaçant. Alors Philippe pour l'instant sur les talons de Ludovic. On est avec Ludovic en caméra embarquée. Et oui, effectivement, la seconde qui est pour l'instant accumulée par Jean-Louis Auré en tête, 10 tours couverts par le leader. Il en aura tout autant à faire puisqu'il reste 9 minutes 45 dans cette épreuve. Et vous avez les deux voitures les plus proches sur le circuit actuellement à l'image. Ludovic Mézier est juste derrière la voiture de Philippe qui le talonne. La voici, cette voiture de l'équipe TR Sport. Et belle bagarre dans cette section du tracé. Très exigu ce circuit, mine de rien. Kevin Lagrange qui lui par contre n'a qu'une demi-seconde de retard sur Maximilien Vedi dans cette lutte pour la deuxième place. Alors c'est avant tout une victoire d'équipe. Pour l'instant on a 4 TX3 qui mènent la danse devant Cédric Henril, Patrick Letourneau. Pour l'instant 5 TX3 dans les 6 premiers. Alors que Ludovic Mézier est toujours en train de se battre derrière avec Philippe Brigonnet. 4 dixièmes également avec Stéphane Tournoi. Ça n'est pas tendre non plus. On retrouve les BMW rouges à l'image. Deuxième pilote de l'équipe CVGP qui est pour l'instant un peu plus loin. 17e place pour Stéphane Tournoi. Il est actuellement en lutte avec la BMW de Clément Desmarais qui est juste devant lui. Clément ici avec la BMW Bordeaux. On se bat pour la 16e place. Tous les pilotes à l'arrivée évidemment glaneront des points. C'est bien sûr tout l'intérêt de ce championnat. Le leader ici ramènerait déjà 280 points. Allez, 13 tours couverts. Et voyez que, hop, alors qu'on a un pilote qui a eu un souci visiblement. Il devait y avoir un pilote qui a été déconnecté. Malheureusement, je ne l'ai pas vu qui c'est. Je crois que c'est un pilote de l'équipe OTR qui a disparu. Je crois que c'est un pilote effectivement de l'équipe OTR. Alors qu'on a ici Freddy Ferentiel. Très bonne vanne. Canard PC aussi, très bonne usine. Assumer les voitures roses dans le peloton. Et on se bat ici aussi pour une place d'honneur pour Vincent Queudeville qui est derrière Stéphane Tournoi. J'espère que dans le chat tout se passe bien pour vous. On a retrouvé un peu de stabilité dans cette première manche de la saison. Ça a été très compliqué avec les soucis techniques qu'on a jamais eu, je crois, de mémoire, donc c'est toujours marrant. Enfin, ça le devient beaucoup moins rapidement, mais au moins pour cette première manche sprint de 20 minutes, on a quand même une belle bagarre qui s'est instaurée en tête avec une demi-seconde toujours entre Vedi et Lagrange. Et derrière, oui, 7 dixième pour Pierre Germoléo qui revient sur Michael Van Lierde. On reste sur le cas de Vincent Queudeville. On va retrouver voir un petit peu l'avant de la
la course avec la troisième position de Kevin Lagrange, toujours talonnant Maximilien Vedi. Avec Kevin Lagrange qui revient très très fort. On est à bord de la voiture de Kevin. Et comme nous le dit Axel Petit, qu'on a eu le plaisir de suivre à de nombreuses reprises ici, difficile de porter une attaque sans vraie ligne droite et ces virages qui sont très très lents, effectivement. On profite du son de cette BMW. Caméra embarquée. Derrière. Ça revient fort pour Kevin. Vous voyez que les freinages sont très nombreux. Je dirais presque qu'on est sur une piste de karting tellement il y a de virages. Un petit peu large, Kevin Lagrange, attention. Attention Kevin Lagrange, un petit peu large. Heureusement il a de la marge sur la voiture de Laurent Bozzacco qui est un petit peu plus en arrière. Alors que frais différentiel est toujours à la bagarre. On revient sur la voiture de Yannick Izzy, pilote GSR. Pour l'instant 18e Yannick. Dans ce début de course, on a vu la domination des TX3 et de Jean Luré. Il reste exactement 4 minutes. Je pense qu'on devrait avoir quelques petites attaques à la fin de la course pour les places au-delà du top 10, mais pour l'avant de ce peloton, les choses semblent bien instaurées. Jean Luré devant, Maximilien Vedi et Kevin Lagrange un peu en train de se battre. Pour le reste, eh bien, ça reste calme. Vincent Queudeville, malgré tout, sur Stéphane Tournoy, revient très très fort. Et ce, dans le premier freinage. Cela permet à Clément Desmarais de reprendre un petit peu de marge par rapport à ses poursuivants directs. Derrière également, hein, Yannick Izzy qui tente de résister un maximum aux assauts de son adversaire. Derrière, c'est très très chaud derrière avec David L'Espèce qui est allé au contact, semble-t-il, de Franck Curbelo. Franck 20e. On est en lutte pour la 20e position entre ces deux-là. Un peu large là sur ce coup-là, Franck. Ça va permettre peut-être au pilote de la FFSA de revenir derrière. Ça part très très large dans cette épingle pour essayer de repiquer à l'intérieur, mais ça ne sort que légèrement dans le bas côté. Cherche toute la largeur de la piste. Il est pas loin, David. Xavier Carrara qui est juste derrière, prêt à bondir en cas de souci pour l'un ou l'autre. Alors qu'il reste 1 minute 50 dans cette épreuve, encore 3 tours ou 2 peut-être. Finalement, vu où on est le leader. Attention, des écarts qui se réduisent aussi là. David qui n'est vraiment pas loin. Il va tenter de porter une attaque. Pierre Giarmoleo de l'équipe ACFR qui est pour l'instant 8e n'est pas loin non plus. Et Michael Van Leer, alors qu'il reste 1 minute 20 dans cette course. Sprint. Il y aura ensuite une course de 45 minutes avec un arrêt obligatoire, mais avant la Super Pole, on y reviendra. En temps utile. Attention à Stéphane Tournoy derrière, ça a l'air d'être très très chaud. Oui, on s'est rapproché ici avec Stéphane Tournoy qui était un peu en dérive dans le dernier droit.
De quoi permettre à Vincent Queudeville de se blottir dans l'aspiration. 20 tours couverts. Il reste 45 secondes. On va regarder un peu ici si ça attaque. Sinon, on va retourner voir un petit peu eh bien, les derniers kilomètres de Jean Luré. Voilà, il reste 35 secondes. Je pense qu'on va avoir droit à un tour supplémentaire, mais pour très très peu. Et ce vibreur qui est un petit peu trop court. Il doit faire 3 mètres de plus et ce serait nickel. Et il y aura effectivement pour 20 secondes un tour supplémentaire pour Jean, qui pourrait remporter cette première interteam de la saison. L'écart avec Maximilien Vetti qui n'a pas vraiment bougé. Tout d'abord 8 dixièmes, ensuite 1 seconde et maintenant 1 seconde 3. Pas vu le départ évidemment, mais c'était très très chaud. Ici aussi, une nouvelle fois, Stéphane Tournoy qui est sur le point de prendre le dessus. Sur Clément Desmarais, Vincent Queudeville est au milieu. Ça va se jouer quasiment à 3 de front. Grosse bagarre là dans ce dernier tour. Et on va arriver sur la ligne. Et le drapeau à damier pour Jean Luré qui va donc remporter la première course de cette Interteam 2019. Victoire et quadruplé pour les TX3. C'est fait. Victoire de Jean qui va donc imposer sa BMW devant 3 de ses équipiers. Cédric Henry, il est ici avec la BMW M&M's. Il passe maintenant. On retrouve ensuite Laurent Bozaco, Patrick Noturno, pardon, Michael Van Lierde, Pierre Germoléo, Terry Davidson. Anthony Jolin complétera le top 10. Et vous voyez que derrière, c'était très très chaud sur la ligne entre Stéphane Tournoy, Clément Desmarais et Vincent Queudeville. Finalement, eh bien, c'est Clément Desmarais qui a gagné ce moment très très chaud. Vous voyez que voilà, on est en train de faire plaisir aux carrossiers alors que la course est désormais terminée. Et finalement, David Espèce n'aura pas trouvé la solution sur ses petits camarades. Jean Luré qui va ramener la voiture. Eh bien, écoutez, cette interteam commence très très bien pour les TX3. On va pouvoir ramener les voitures dans le paddock. C'est ce que vont faire les pilotes. Alors que certains se disent pourquoi pas faire un tour en plus. Hein. Ce serait bien. Il y en a qui continuent de tourner. Pourquoi pas. Mais c'est bel et bien course gagnée pour Jean. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la course 2 vaudra le détour. On va la suivre ensemble, évidemment. Je l'espère avec le son. C'est toujours plus agréable. En tout cas, il faudra trouver cette solution rapidement pour les problèmes sonores. Le début de la séance qualificative, vous ne rêvez pas, il y a des voitures qui tournent sur le circuit. Et regardez un petit peu, c'est assez marrant de voir ça de ce point de vue-là. La séance qualificative de 15 minutes qui démarre, c'est parti. Et tout le monde se jette sur la piste. Et donc la grille de la course dépendra de cette séance. Il y aura évidemment 45 minutes de course. Merci Shadow pour l'info. Il y aura évidemment, ah oui, je n'en ai pas parlé, je fais un aparté rapidement. Le TeamSpeak disparaîtra, parce qu'il reste un vieux TeamSpeak, Maxoul Pilote, il y a 2-3 personnes dessus. Mais le Discord, pardon, reprendra beaucoup plus d'importance, j'y serai quasiment tous les jours en tout cas. Je vais me réinvestir pleinement dans le Discord qui sera le mien, avec de la modération également, et on va essayer de remettre un petit peu tout cela ensemble. Allez, les voitures, vous le voyez, donc qui ont quitté un petit peu la pit lane et on va débuter donc par les tours de sortie. Le premier en piste, c'est je crois Patrick Noturno, si j'ai pas dit trop de bêtises, ça doit être le premier sur la piste. En tout cas, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de monde devant lui. Mais effectivement, c'est lui qui a tiré le lot de la piste la plus libre. Pour l'instant, il y a des voitures devant lui, il y a d'autres TX3, mais il est pour l'instant sur un segment assez intéressant. Qu'en est-il de Jean Luré? Jean Luré qui, lui, par contre, doit être le premier en piste, ou l'un des premiers lui aussi. Voilà, il vient de passer le chrono. On va voir l'ordre qui va s'afficher tout de suite. Jean,
Et donc le premier en piste devant Laurent Bozaco, non, Kevin Lagrange, Laurent Bozaco. Allez, trois pilotes TX3 qui roulent en formation serrée. Alors au niveau des chronos, on va avoir les premiers temps qui vont tomber d'ici quelques secondes. Troisième partiel pour les premières voitures. Troisième partiel de la descente. Et on va remonter pour Jean. Et on va avoir droit au premier tour. Douze minutes dans la séance. Cette version du circuit de Kayama. Alors Jean, qu'en est-il ? Premier tour couvert par Jean qui va nous sortir à 1.36.740. C'est plutôt pas mal. 1.36.7, 1.37.0 pour Maximilien Vedi. 1.36.740, c'est très très bien par rapport à ce qu'on avait en inter-team en pré-qualification jusque-là. Est-ce qu'on peut faire mieux? Sans doute. Laurent Bozaco qui est là, Patrick Nocturno également. Qu'en est-il pour Vincent Queudeville? Il arrive. Michael Van Lierde également, la hiérarchie s'installe. Terry Davidson qui a fait un très bon chrono pour l'instant. Terry Davidson qui se place quatrième. C'est Drickenreel qui confirme son top 5 de la première course sprint avec pour l'instant le cinquième chrono. Xavier Carrara, huitième. Ça, c'est une bonne performance de la part de Xavier pour l'instant. Et vous le voyez, pour l'instant, on peut considérer que 17 voire 18 pilotes ont signé un chrono, pas plus pour l'instant. Et Yannick Izzy, 18e maintenant, puisque devant, on a eu l'instauration du 9e chrono par David Van der Straat. Philippe Brigonnet qui est 10e aussi. Cédric Leroy qui est 11e. On ne l'a pas encore vu beaucoup à l'image. Cédric, je crois que c'est lui qui avait été déconnecté en début de course. Et le voici désormais à l'image. Alors que devant, c'était grosse attaque pour le pilote de la voiture rouge qui était allé un petit peu au-delà des limites de la piste. Et il reste déjà 10 minutes. Effectivement, sur cette version du circuit, c'est un petit peu moins facile. La piste est plus longue, parce que je vous rappelle, le principe aussi de cet inter-team, c'est qu'il y ait deux circuits différents. Pour la première manche, il y a la piste courte, et pour la deuxième, la piste longue. Ce sera le cas sur les autres épreuves également. Deux configurations différentes. Et pour l'instant, Jean... Alors qu'on a Laurent Bozaco qui vient de signer le troisième temps. C'est son meilleur tour d'ailleurs sur ce serveur. Il est battu par Pierre Moulin. Pierre Moulin, que l'on n'avait pas vu non plus. Le pilote ACFR qui vient de s'octroyer la troisième position. Bien joué de la part du pilote ACFR. Alors que vous voyez, voilà, on est dans la section un peu plus sinueuse ici. Bien joué à lui, Cédric Unreal. Vous voyez, ici, on ne vire plus à droite, on part à gauche. Et on va prendre tout le premier partiel. D'autres sont au stand. Pierre Giarmoleo qui vient de signer une très belle 7e position. Les pilotes ACFR qui ont l'air d'être plus performants dans cette séance. En tout cas dans ce début de séance. Il faut voir que cela tienne encore pour 9 minutes 15. Rodrigue Guélé qui est là. Rodrigue que l'on n'a pas vu non plus beaucoup. TX3, encore un. On retrouve Cédric Leroy à l'image. Clément démarré. 21e, alors que là on a un pilote qui est dans l'herbe. Qui est-ce? Alors qu'on a un pilote AMK en piste, Oleg Vialon. Le voici à l'image, pas beaucoup vu non plus les pilotes AMK. On essaie de montrer évidemment l'ensemble des pilotes et des équipes qui participent à cette inter-team. Et l'équipe AMK Racing qui va retrouver évidemment ses pilotes habituels et quelques petits nouveaux
Alors, pour l'instant, Jean Luré est au stand, Maximilien Védi également, Pierre Moulin est toujours troisième avec la bonne surprise de l'équipe ACFR, cette BMW qui, avec ses couleurs blanches, met un peu de diversité devant. Terry et Davidson qui tombent 7e, Pierre Germolet au 8e, Patrick Nocturne au 9e, Vincent Queudeville 10e. Allez, on y est, il va très allègrement sur les vibreurs pour Vincent. Et du coup, on va rentrer même dans la pit lane pour en finir. Non, on s'arrête, il nous fait une Hamilton. Là, il ne sait plus où il doit aller. Anthony Jolin, que l'on a à l'image. Alors qu'on a une voiture arrêtée, je crois bien que c'était Cédric Henry, là, effectivement, parce qu'il est au stand. Alors, normalement, le son doit être assez fort. Vous entendez bien les moteurs, hein, rassurez-moi. Alors, des pilotes GSR, on n'en a pas beaucoup. On en a deux ici à l'image. Avec la voiture de Yannick Izzi qui, pour l'instant, est 12e. Jean Luré, 1.36.740. C'est pour l'instant un peu moins de 2 dixièmes, mais quand même plus rapide que Maximilien Védi. Pierre Moulin, toujours en 3e position. Il reste 7 minutes. On a fait mi-distance dans cette séance qualificative numéro 2. Deuxième séance qualificative de la soirée qui va tourner, à mon avis, assez rapidement. À l'avantage des TX3 une nouvelle fois, alors que d'autres voitures retournent dans la pit lane. Ludovic Mézier pour l'instant dernier, il n'a pas encore véritablement signé de chrono, une 38.5. Vous voyez qu'on est en une 38.7 pour le meilleur, une 36.7 pardon pour le meilleur, une 38.5 pour la lanterne rouge qui est pour l'instant Ludovic Mézier, pardon, Franck Curbelo qui est juste devant, le pilote des GSR, se place pour l'instant 25e. Il est d'ailleurs derrière un de ses équipiers en piste. Est-ce qu'il peut améliorer sur ce tour avec l'aspiration? L'équilibre du son est bon. Merci beaucoup à Shadow pour ce retour. Alors qu'un pilote AMK qui ressort, ce serait bien Oleg Vialon qui va reprendre la piste. Le voici. Et de nouveau à l'attaque du chrono. Kevin Lagrange est 5e. Maximilien Védi. Et 17 centièmes pour Jean Luré. De mieux que Maximilien Védi. Alors Laurent Bozzacco, 4e. Bonne prestation pour Laurent. Alors Philippe qui derrière revient également dans le top 10. Ici Philippe Brigonnet, 10e temps. On a des supporters de l'équipe AMK également dans le chat. Ça fait plaisir de voir que toute équipe a ses supporters sur ce direct. En dépit des viewers, eh bien, il y a quand même pas mal de monde qui vient supporter l'une ou l'autre équipe. C'est le principe même de cet interteam. Et c'est tant mieux que cela fonctionne aussi bien. Alors, 1.36.915 pour Maximilien Védi, c'est statu quo en tête de cette séance qualificative. Il reste 4 minutes et 15 secondes. De quoi faire encore 3 petits tours. En vue peut-être pour Patrick qui est dans la pit lane, mais au moins un tour chrono pour lui. Et bonsoir si vous venez de rejoindre ce direct pour la toute première soirée de l'Interteam 2019 avec ces BMW sur la piste d'Okayama au Japon. C'est Cédric Unreal, Cédric qui vient de signer la pole.
Ah, ça c'est intéressant comme stratégie. Nous avons un pilote, on va dire indépendant, qui vient de signer le meilleur temps avec des pneus hard, s'il vous plaît. Ça c'est intéressant. Bien joué. Terry Davidson qui s'est placé lui 7ème. C'est bien aussi. Philippe Brigonnet qui est aux portes du top 10. Vous voyez qu'on est en quasiment une seconde et demie pour tout le peloton. C'est très serré sur cette piste. 2 minutes 50. Et Cédric qui a donc désormais la pole position entre les mains. Maximilien Vedi. 8 centièmes de retard. Ah, la lutte est très très serrée. Yannick Izzy, 12e, est dans la pit lane. Xavier Carrara qui est en 13e position. Et David Lespèce qui vient de signer son meilleur chrono. Pour l'instant, 23e David, 1:37,788. Ça ne se joue pas à grand chose entre le haut et le bas de la hiérarchie. Stéphane Tournoy à l'image, 22e, vous le voyez. La voiture de... Ouais, il s'est un peu repris, Ludovic Mézier. Qu'est-ce qu'il va faire comme chrono à l'issue de cette boucle? Eh bien, aucun, puisqu'il va débuter son tour rapide. Ce sera sans doute le dernier. 1:55, il faut maintenant pas tarder à venir passer la ligne. Si on veut ressortir pour avoir une chance, du côté de Cédric Henry ou de Jean Lioré, ce sera maintenant. Et pour Jean, c'est la pit lane. Et on ressort effectivement. Dernier run pour Jean. Qui va défendre... peut-être la pole. En tout cas, très très belle performance de Cédric depuis la mi-séance. On pensait que ça allait être pour Jean Lioré. Finalement, Cédric a popé de nulle part. Et bravo à lui. Pour l'instant, il détient la deuxième pole de cette interteam. Davidson à l'image, 7e pour l'instant. Du côté des ACFR, on s'en sort pas trop mal non plus, avec la 6e place de Pierre Moulin. Moins de 2 secondes pour tout le peloton. Quasiment 1 seconde et demie qui sépare 26 voitures, c'est quand même beau. Allez, il reste 40 secondes. Jean est en piste. On va le suivre un petit peu peut-être, puisque c'est lui qui est le plus à même d'aller peut-être chercher une pole. Il va rester 30 secondes pour aller passer la ligne avant d'être en overtime. La BMW qui est un petit peu gênée par une autre voiture qui va s'écarter. Ça, c'est très sport. Parce qu'en toute fin de séance, ça va être difficile de bien relancer. Alors, est-ce qu'il va pouvoir passer la ligne? Ludovic Mézier qui améliore son temps. Il reste 25e. Allez, Jean. Va attaquer la fin de la séance. Il va rester 2 secondes pour passer la ligne. Ça s'appelle du calcul vraiment très méticuleux. Alors la BMW est dans son tour. Il va pouvoir sans doute aller au bout, puisque le tour est en 1:36. Ce serait largement suffisant, mais c'est le dernier à avoir passé la ligne. Et pour l'instant, Cédric Henry est en pole, 1:36,694. On aurait bien aimé suivre la lutte comme ça pour la première séance. Super pole, on est en overtime, vous le voyez. On reste avec Jean en caméra embarquée. La remontée, vous voyez que le circuit est ici beaucoup plus intéressant au niveau des dépassements. Ça nous promet sans doute plus de bagarres au moment de l'extinction des feux, qui opérera d'ailleurs dans quelques minutes. Mais avant, on va voir si Jean aura le temps de terminer ce tour rapide. C'est le seul que l'on doit surveiller, parce que Maximilien Vedi derrière, 3e, a passé la ligne. Peut-être que Maximilien sera le premier d'ailleurs à la refranchir cette ligne. Et non, il sera 3e. Maximilien qui est dans la pit lane. Il n'améliorera pas. Ça, c'est l'overtime parfait. Passé à 2 secondes de la fin. Tout le monde est dans la pit lane. Il y a 3 voitures, 4 voitures en piste. Jean qui a une piste dégagée. Ça, c'est un calcul, mais vraiment parfait. Peut-il, avec cette liberté de déplacement sur la piste, se retrouver en mesure d'aller signer une pole un petit peu large ici? C'est ce qu'il faut. Et le verdict du chrono dans quelques instants pour Jean. Va-t-il aller battre les 1:36,694 de Cédric qui a fait la pole?
Et non, ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant. Il va aller rechercher la première ligne, mais c'est tout. Il n'y aura pas de pole pour lui. Et c'est donc Cédric Unreal qui va donc s'élancer premier avec 6 tours en qualification. Il aura donc fait ce qu'il fallait. On se retrouve sur la grille dans quelques instants pour le début de la procédure. Alors, va-t-on assister à un beau départ de la part de Cédric, de quoi lui mettre peut-être à l'avance par rapport aux nombreuses voitures de l'équipe TX3 qui le talonnent. À part Terry Davidson, eh bien, il n'y a que du vert et bleu hein, dans les rétroviseurs. Ensuite, on retrouve des pilotes à CFR. Vous le voyez, ça promet une belle bagarre. Effectivement, au départ de cette course, que l'on va suivre évidemment, je l'espère, ensemble dans son intégralité. On va faire un petit échappe. Alors, on nous annonce que notre steering n'est pas du tout centré, c'est pas grave, on n'est plus à ça près de toute façon, puisqu'on n'a même pas de volant, et nous on va quitter tout de suite la pitlane, histoire de ne pas avoir de problème. Allez, les feux s'allument quand ils s'éteignent, le départ de cette deuxième course. On va tout de suite repartir dans la pitlane, alors qu'il y a un pilote qui est rentré au stand en dernier instant. C'est compliqué, et c'est parti, on roule à Okayama. Très très bon départ de Cédric Unreal depuis la pole, qui va avoir l'avantage en plongeant, c'est lui. Bien joué. Et tout le monde a l'air de trouver sa place dans le peloton, c'est bien joué pour tout le monde. Allez, l'ensemble du peloton qui s'est bien lancé. On va retrouver évidemment la tête de course, voilà, tout de suite sur des plans larges, de quoi nous apporter un point de vue sur l'armada des TX3 qui plonge désormais dans le deuxième partiel. Pour l'instant, nous n'avons perdu personne. Ça sera un petit peu large là pour les GSR. Quelques TX3 également à l'arrière. On voit David L'Espèce qu'on reconnaît facilement. Un peu large également. Et Cédric Unreal qui a donc conservé l'avantage de sa pole position. Et derrière, attention parce que ça va chauffer. On est sur la voiture du leader. Et il n'est pas loin, Jean. Et derrière, ça change légèrement au niveau des écarts. Cette descente qui est absolument magistrale sur cette piste d'Okayama. Et en tout cas, Cédric a fait le plus dur, je pense, en prenant l'avantage sur ses petits camarades. Derrière, ça se bagarre avec notamment Pierre Giarmoleo, pardon, qui se retrouve dans le noyau dur du peloton en 10e place. Bon départ. Michael Van Lierde également. Philippe Brigonnet, bien sûr, c'est à la 8e place qu'il se trouve. Ça, c'est pas mal. Le pilote OTR. Et on va conclure le premier tour bientôt. Attention parce que la hiérarchie a tendance à énormément évoluer sur la tour à gauche de votre écran, mais il n'en est rien. Allez, Jean Lioré, deuxième, puisque c'est Cédric Unreal qui va conclure ce premier tour en tant que leader de cette course principale. 45 minutes. On rappelle qu'il y aura évidemment l'obligation de stopper dans cette course. Un arrêt obligatoire. Jean qui a tenté de se montrer très intimidant dans le premier freinage. Il en faudra bien plus, je pense, pour déstabiliser Cédric. Alors qu'ici, c'est Yannick Izzy qui était à l'attaque, je pense, de la voiture de Freddy. Faire en celle-là, c'était facile à voir de ce point de vue-là, puisqu'on reconnaît bien la voiture orange. Bien sûr, Xavier Carrara qui est dans la pit lane, alors que devant, attention, étape large, et ça passe pour Yannick Izzy. Alors que Laurent Bozacourt revient sur ses compatriotes tout de vert et de bleu. Et Cédric Unreal qui doit faire avec un Jean Lioré très menaçant. Attention, Jean qui n'est vraiment pas loin. Ah, c'est une armada de TX3 là qui va plonger à l'assaut de la tête de course. Mais Jean est pour l'instant deuxième, puisque c'est Cédric qui mène la danse dans cette première course du soir. C'était l'inverse. Les TX3 étaient devant Cédric. Voici, il a décidé de partir depuis la pole. Attention à Terry Davidson hein, qu'il faut surveiller également. Terry qui est là aussi bien placé. Et il va porter d'ailleurs de l'intimidation à la hauteur peut-être de la voiture de Laurent Bozacourt. Il n'en est rien pour l'instant, ça reste là où ça en est. Attention derrière aussi hein, à la voiture de Cyril Saucé, le pilote GTR, pour l'instant en 15e position, qui se fait très pressant sur Anthony Jolin. Et là il est beaucoup plus à l'intérieur qu'Anthony. Et Anthony qui va d'ailleurs rentrer dans la pit lane. Retour au stand pour Anthony Jolin, stratégique peut-être, qui sait. Anthony est dans la pit lane, ça c'est sûr. Et devant, on voit le peloton qui passe sur la voie des stands. On accueille la BMW d'Anthony Jolin, alors que Pierre Giarmoleo
est également à la bagarre. On le voit ici dans le premier partiel. Jean Luré qui n'est pas loin du tout, 2 dixièmes. Beaucoup de choses en ce début de course. Et il n'est pas loin du tout, Jean. Il est très menaçant. On est à bord de la voiture de Jean, 2e. Derrière d'autres choses qui se passent, avec notamment Michael Van Lierde qui est pris dans la bagarre avec les deux pilotes OTR devant lui. Le pilote OTR et le pilote CFR, pardon. Patrick Nocturno, 11e, ça c'est un départ difficile pour lui. On va retrouver Patrick à l'image, le voici, il est juste derrière. Alors qu'il y a bien 4 dixièmes hein, entre les deux leaders, entre les trois leaders même. Voilà, ça s'est bien resserré devant. Oh là là, oui! Le peloton qui a repris un petit peu moins d'espace là. Attends, ça sort très très large pour Cédric Henry sur ce passage. On n'a pas vu les virages d'avant. Mais ça semble plus compliqué désormais pour lui de rester sur la bonne trajectoire. Il est encore une fois très menaçant, Jean. Qui ne cesse de tenter de plonger à l'intérieur. Yannick Izzy également en bagarre. Le pilote GSR qui tente de, pourquoi pas, accéder au top d'ici. Il en est capable. Il est 12e pour l'instant et devant. Ça ne manque pas de bagarre, alors qu'en tête non plus. Magnifique vue de ce qui se passe du côté DTX3. Regardez, on essaie de s'écarter un petit peu derrière. Et l'écart qui... pas tant que ça, du moins aux avant-postes. Plutôt une question de trajectoire ici entre Jean et Cédric. Oh, il est bien menaçant là, Jean. Plus à l'intérieur. Sur la voiture de Jean. 2e. À quel point il peut revenir sur cette section. Et dès que Cédric se fera passer, parce que ça semble pour l'instant ce que veut faire Jean Luré, il ne veut pas rester derrière, il veut prendre peut-être l'avantage. Stratégie peut-être différente au niveau du poids aussi entre ceux-là. Alors que derrière on a aussi Yannick Izzy à l'intérieur qui va tenter sa chance sur Patrick Nocturno, ça ne passera pas cette fois. Yannick qui est, ma foi, très très proche dans ce premier secteur. On est avec Yannick. Il y a quand même les 4 premiers en 1 seconde 2. C'est impressionnant. Il protège, hein, Patrick. Il a ce besoin de protéger sa position. Ça va être compliqué dans la remontée. Yannick semble un peu plus à l'aise en réaccélération. Et il a d'autant plus l'intérieur de la trajectoire pour le prochain freinage. Il y a Nick Easy qui va redéboîter peut-être. Non, il n'ira pas cette fois à l'assaut de son adversaire. Franck Curbelo derrière. On voit David Espèce hein, qui a eu quelques petits soucis. Hop, et nouveau contact là avec David justement. Et on a mis un petit, une petite chiffonnade derrière. Alors que devant, Jean est à l'extérieur. Pas la bonne trajectoire, mais c'est de plus en plus menaçant derrière aussi pour Maximilien Vedi. Hein. Attention, parce qu'au-delà du championnat pilote, il y a l'interteam, il ne faut pas faire de bêtises, il faut garder un maximum de voitures de l'équipe devant. C'est un peu compliqué comme procédé, mais mentalement, ça reste un sport individuel et on sait que si on peut aller chercher une victoire, ça fait quand même quelques points de différence. Et c'est ce qu'on va tenter de faire du côté de Jean et ça commence par ce dépassement qui va être effectué, je pense, maintenant à l'intérieur. Est-ce qu'on peut tenter de croiser du côté de Cédric qui va tenter, oui, de garder
son homologue à sa hauteur pour replonger. Ce ne sera pas le cas. Par contre, ça va passer aussi peut-être derrière pour Vincent Queudeville. Maximilien Vedi. Et effectivement, Maximilien Vedi qui a réussi à prendre la deuxième place. Cédric qui doit écarter la trajectoire. Une troisième TX3 qui va peut-être s'infiltrer. C'est fait pour Kevin Lagrange, je crois. Et oui, 3 TX3 qui sont passés. Une a trouvé l'ouverture. Et les autres n'ont eu qu'à s'en profiter, de s'infiltrer dans la brèche tout simplement. Mais c'est bien joué, alors que oui, pour Cédric là, ça commence à chauffer. Jean est donc maintenant en tête, hein, on le voit. Mais la lutte pour les 5 premières places est très très chaude. On a aussi Thierry Davidson qui n'est pas loin, hein, mine de rien, il n'est pas loin avec les bagarres devant. Il parvient à tenir le rythme, tout comme la voiture de Vincent Queudeville qui était derrière. Pardon, mon œil m'avait trompé tout à l'heure. Une nouvelle fois, on se retrouve avec 5 TX3 dans les 6 premiers. C'est pas mal. Alors, Cédric va-t-il rentrer dans la pit lane? Non, il continue malgré tout. Et les esprits semblent se calmer ici à Okayama. Avec des pilotes qui ont désormais un peu plus d'écart entre eux. Mais la piste n'est pas faite non plus pour qu'il y ait de grands écarts et c'est tant mieux. On revient à bord avec la voiture de Terry Davidson. L'écart qui est d'une demi-seconde avec Kevin Lagrange. Et Cédric a déjà largué quelques dixièmes au profit des TX3 devant. Mais il aura quand même, ma foi, fort bien résisté quasiment 10 minutes. Reste sur Kevin Lagrange qui est troisième et qui est pour l'instant la plus grande menace pour Maximilien Vedi. On est à bord de la voiture de Kevin. Vous avez eu un petit aperçu de ce tour en caméra embarquée. David Lespèce qui a refait totalement le flanc droit de sa voiture. Il est devant Ludovic Mézier. Ça a touché, on l'a vu hein, tout à l'heure. Et on arrivera bientôt au tiers de cette épreuve. Quelques petits soucis de connexion, je crois, pour David. Un peu de mal alors que Franck Curbelo devant est en train de remonter lui aussi. Franck. 19e place pour le pilote GSR. Il n'est pas loin de Stéphane Tournoi. Stéphane 18e. Petite déception peut-être pour lui. Après une première course très prometteuse. Et attention à Vincent Queudeville qui revient très très fort. Ainsi que sur Patrick de Tourneau. L'attaque plus qu'imminente de Yannick Izzy. Sur la voiture de Patrick, on voit Yannick. Juste derrière, 3 dixièmes au passage de la ligne entre les deux BMW.
course pression sur le pilote TX3. On joue la 11e position entre ces deux voitures. Et il se rapproche et il est en mesure de plonger. Il y va. Magnifique attaque. Très belle attaque de la part de Yannick qui n'a laissé que très peu de chances de se défendre à son adversaire. Bravo. Belle attaque très incisive pour Yannick Izzy qui s'empare donc de la 11e place. Il est désormais aux portes du top 10. Bien joué à lui. Attaque très incisive et très jolie. On espère en voir d'autres du côté du peloton derrière. Les autres justement tentent de suivre. Des écarts qui commencent à grandir, notamment avec Stéphane Tournoy. C'est quand même 4 secondes hein, maintenant. 2, 3, 4 secondes aussi pour David Despès. Par contre, David Van Der Straat a dû avoir un gros souci puisque David se retrouve très très loin. Terry Davidson, 6e de cette course. Il reste exactement les deux tiers de l'épreuve, 30 minutes maintenant. Il y aura d'autres phases de caméra embarquées avec le doux son de cette BMW 235i. Alors, Michael Van Leer, où est-il? Il est en train d'agiter un petit peu notre tableau. Le voici, le pilote GSR. Il revient sur Philippe Brigonnet, que Rodrigue Guélet dans voie des stands. Et sur le tableau de bord de Michael Van Leer. Et ça chauffe pour cette 9e position. Et Kevin Lagrange également est en train de revenir. On va suivre ça bien sûr. Puisque Maximilien Vedi est sous la pression de son équipier désormais pour la 2e position. J'espère que vous avez apprécié le doux son de cette BMW. Alors qu'on a des lags maintenant. Tiens, on n'avait pas encore eu ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore eu? Des lags, des freezes, un reboot, une surchauffe. Faites vos jeux. Attention, parce que derrière, Cédric est également sous la menace de Laurent. Hein, donc ça bouge aussi de ce côté-là. Oh, l'explication. Très, 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 très difficile pour la défense. On doit changer de vue, sinon on ne verra pas le freinage. Le voici. Kevin Lagrange et Maximilien Vedi qui se laissent peut-être se battre un petit peu l'un l'autre pour se donner un peu de baume au cœur. Pour l'instant, ça ne change pas forcément le visage du classement de l'Interteam. Il ne faut juste pas faire de bêtises parce que sinon Cédric derrière sera prêt à bondir pour récupérer une 2e place qui ramènera beaucoup de points. Ce qui est intéressant avec cette quantité d'Interteam organisée, cette quantité de teams inscrites, c'est qu'on va avoir des tableaux de points à 10 000 unités. Ça va être très marrant. Vous allez voir, on vous proposera, je l'espère, lors de la 2e manche, un tableau qui reprendra la hiérarchie au classement équipe et au classement pilote. Michael Van Leer de toujours en train de titiller notre chrono. Le voici. On le voit sur la gauche de l'écran régulièrement en jaune, ce qui signifie que ce sont les pilotes les plus proches en piste. Le voici, 9 et 10e place pour ces deux-là. Les pilotes OTR devant lui. Philippe va tenter de résister. Alors que Freddy Ferrentiel est ici lui aussi en train d'attaquer avec la désormais célèbre livrée Canard PC.
descente dans cette section et du gros freinage en appui. Dans l'Ird, il n'est pas loin, très pressant. Sur le toit de la voiture de Michael Van Leer, pardon. Est-ce qu'il va y avoir contact ? Non. Un petit peu large, Philippe, une nouvelle fois. Michael Van Leer qui n'est vraiment pas loin depuis deux tours. Le plus dur, c'est de trouver la trajectoire idéale. Trois dixième. Sort pas trop large, c'est parfait pour l'instant. Devant Jean Leray qui prend 2 secondes, 7 d'avance sur Maximilien Vedi et Kevin Lagrange, 4 dixièmes. Ça reste très très peu là aussi pour la deuxième place. C'est vrai que Kevin Lagrange peut espérer peut-être être deuxième sur ce podium. Avec Kevin Lagrange là qui est très menaçant. Maintenant, il faut savoir comment la voiture va tenir. Au niveau des pneus, c'est vrai que Pierre Germoléo et Yannick Izzy sont en pneu médium. Pour le reste, à part Franck Urbello, Xavier Carrara et Oleg Vialon, tous les autres sont en pneus les plus durs. On va tenir à l'œil peut-être ce paramètre ici, le cap de la mi-course, alors qu'il reste 23 minutes et 19 secondes pour passer par la pit lane. On vous rappelle évidemment que la fenêtre d'ouverture de la pit lane débute une minute après le départ et se ferme une minute avant la fin du chrono, ce qui signifie tout simplement que les pilotes ont toute la période entre ces deux minutes pour eh bien passer par la voie des stands, et c'est obligatoire au moins une fois. On espère évidemment ne pas avoir de nouveaux soucis où le pilote de tête eh bien oublie tout simplement de ravitailler ou calcule mal son coup et est condamné ensuite à une pénalité. Terry Davidson, qu'on n'a pas vu encore beaucoup dans cette course, est pour l'instant installé en solide 6ème position. Il revient même très très fort sur Laurent Bozzacco. Le tour de Cédric Leroy et de Clément Desmarais dans la pit lane. Bagarre avec Terry Davidson, Laurent Bozzacco qui sont séparés de 7 dixièmes. Devant, on a également 7 dixièmes entre Maximilien Vedi et Kevin Lagrange. Espèce qui a l'air d'être proche, semble-t-il, effectivement, de la voiture de Clément Desmarais. Clément qui est ressorti de la voie des stands. Sur Cyril Saucé pour la 12e place. C'est avec Freddy en caméra embarquée.
peu d'écart. Hein. Ça se stabilise devant également. On prend un peu plus ses aises du côté du leader. On revient sur les images de Jean. Jean, pour l'instant, bien installé avec 3 secondes devant Maximilien Vedi. Kevin Lagrange est à une petite seconde derrière. Ludovic Mézier est revenu sur David Lespès. Alors, ouais, effectivement, Ludovic Mézier qui est en train de faire un petit peu le ménage là dans le deuxième segment de ce peloton avec David et Clément. Hop, attention au changement de ligne là, pour Ludovic. C'est incisif. Pas forcément volontaire, je crois. Et Freddy qui revient également très très fort. On était avec lui en caméra embarquée il y a quelques instants. Deux voitures qui sont séparées d'une demi-seconde. Pour l'instant, eh bien, la course est plutôt calme, il faut l'admettre. On a eu quelques explications en tout début d'épreuve, mais maintenant que tout le monde a gagné son rang et son rythme, eh bien, on évolue très calmement. Pas de sortie de piste, pas de contact non plus. J'avais un peu peur que dans les chicanes serrées, certains veuillent tenter le mythique chausse-pied hein, qu'on pratique depuis des années en sim racing, mais il n'en est rien, fort heureusement. Les pilotes restent très sages. On sent que la course est longue. Il reste exactement maintenant dans cette deuxième course de la soirée, eh bien 20 minutes de course. On a déjà parcouru 25. Et vous avez toujours l'image des deux voitures les plus proches en piste dans cette deuxième course. Dixième entre Maximilien Vedi et Kevin Lagrange. Oui, c'est stabilisé, hein, quasiment une seconde depuis maintenant une petite dizaine de minutes. On avait cru un instant que Kevin pourrait prendre le dessus, mais ce n'est plus le cas maintenant. C'est Clément Desmarais qui se bat. Est-ce que Freddy peut faire les freins? Il est un peu loin pour porter l'estocade. Ça restera comme ça pour David. Dire que pour l'instant, les voitures les plus serrées sont en 20, 21, 22e place. C'est le trio le plus serré de la piste actuellement. Sort de la pit lane pour Clément Desmarais. Regardez, David Espèce sous la menace. Oh, il va laisser la porte ouverte, ça peut passer. Hein. Ludovic Mézier qui n'en voudra pas beaucoup plus pour trouver l'ouverture. On reste sur l'arrière de la voiture de David. Ludovic Mézier qui va avoir sa chance pour aller déboîter au niveau du freinage. Il y va à l'intérieur. De toute façon, on ne peut plus faire grand-chose de mal à l'extérieur de la BMW de son adversaire, puisque celle-ci est déjà bien chiffonnée. Et le freinage un peu plus tardif pour David, qui lui permet de conserver l'avantage. Laurent Bozzacco, que se passe-t-il? Eh bien, il est toujours derrière Cédric Henry, qui s'est un peu libéré. Et Patrick Tourneau, lui, tente toujours d'entrer dans le top 10. C'est Yannick Izzy hein, qui lui avait fait tout à l'heure un très très beau dépassement. Il se retrouve maintenant dans la position non plus du chasseur, mais bel et bien du chassé. Il faut pouvoir tenir cette place. C'est pas souvent évident pour quelques pilotes. Attention à notre ami Ferrentiel. Voilà, ici Freddy qui se porte plutôt bien. Touché, ben voilà. Avec l'écrasement d'image, je pensais pas que Freddy était à sa hauteur et c'était pourtant le cas.
Oh que c'est chaud, et c'est chaud également devant. Juste devant ces deux-là, il y en a deux autres qui s'expliquent. Patrick Nocturneau veut cette dixième position. Il lui reste 16 minutes pour l'obtenir. Toujours pas de retour au stand pour les voitures de tête. On va attendre sans doute le dernier moment. Un petit peu large derrière pour Freddy. Lagrange, toujours une seconde de retard sur Maximilien Vedi, ça ne bouge pas pour le trio de tête. Clément démarré à l'image ici, 19e. C'est plusieurs des pneumatiques, même si l'ABS et le traction control sont activés sur ces voitures. Ça va permettre à certains, à mon avis, de s'expliquer, de s'exprimer. Jean Lioré qui, chez nous, a perdu la tête. Maximilien Vedi l'aurait récupéré, il n'en est rien heureusement. C'est un bug, je crois, de la part de notre tableau. Les choses vont se remettre dans l'ordre au prochain tour. Parce que Jean est bel et bien en tête. Voici ces choses faites. J'espère que vous n'êtes pas tombé dans le piège de notre overlay. Il est pas loin, Patrick. Les tours passent et les dixièmes s'égrènent petit à petit. Qui est une véritable menace maintenant sur Yannick. Et intelligemment, ça ferme la porte du côté de Yannick Izzi. Belle défense de la part du pilote DGSR. Alors que devant, ça file, puisqu'il y a désormais 4 secondes entre Michael Van Lierde et Yannick Izzi. Puisque cette bagarre leur fait perdre à tous les deux un peu de temps. Mais elle est très intéressante et très très bien gérée. Patrick qui est à l'intérieur cette fois-ci, peut-être. Il y aura un meilleur run sur la ligne droite, de quoi aller faire les freins. Je
pas sûr totalement de cela. Ça ne sera pas pour cette fois. Mais il n'a jamais été aussi proche. Cette fois non plus, un peu plus tôt, hein. Patrick, très précautionneux sur ses freinages. On a Anthony Jolin qui est à 3 dixièmes de Franck Curbelo. On va aller voir Anthony. Le voici qui, à son tour, met la pression à un des pilotes GSR. Il est avec lui sur le toit de sa BMW. Oh, on n'a pas été loin d'aller mettre un petit coup de tampon là du côté d'Anthony Jolin sur Franck Curbelo. Heureusement, ça n'est pas passé loin. Il reste, attention, 9 minutes 20 de pit lane et 10 minutes 20 de course. Intéressant de voir qu'Anthony Jolin rentre très très tard dans le virage pour bien prendre de la vitesse en sortie. Ils ne le font pas tous. Ici, c'était assez significatif sur ce tour. Qui est devant en 14e position, c'est Xavier Carrara. Le GTR qui pour l'instant sorte bien. Malgré tout, David Lespèce, attention, qui revient derrière Rodrigue Gueulet avec qui c'était compliqué. Retour sur la deuxième des BMW là, de rouge devant. Par contre derrière, bah oui, on se bat pour une 20e place, mais ce sont des points, que voulez-vous. Tout le monde en marque et tout le monde en veut le plus possible, c'est le principe. Tour couvert par le leader. Il reste 9 minutes à Jean Luré. Il joue maintenant de plus de 3 secondes d'avance sur son poursuivant le plus proche, Maximilien Védi. Kevin Lagrange est 3e. Cédric Henry 4e. Il résiste bien à Laurent Bozzacco. On avait cru qu'il allait s'effondrer après avoir chuté face aux, faut dire, aux 3 gros bras de l'équipe TX3. Et bien, il se retrouve 4e. Et ça, c'est une très bonne chose. Anthony Jolin qui revient sur Franck Curbelo. Est-ce que ça va cette fois-ci passer? Non. Il freine très très tard. Anthony, il replonge après. Ça peut fonctionner. Il doit compter peut-être sur une petite erreur de la part de son adversaire, ce qui n'est pour l'instant pas au programme. Place qui attire pour l'instant toutes les attentions. Tour couvert pour Franck qui garde sa 15e place. Thank you.
Jean Lioré, le leader de cette course. Avec 23 tours accomplis. 24 désormais. Et le suspense qui est pour l'instant plus dans le milieu du peloton. Avec des pilotes qui se battent un peu plus au-delà de la 5e place. Toujours la résistance de Yannick Izzy. Alors qu'il va rester 5 minutes 17. Va falloir tout doucement penser aux hommes de tête à rentrer dans la pit lane. On rappelle qu'il faut le faire dans les 4 minutes 9 qui arrivent. Ce qui laisse peut-être 2 tours. Parce qu'après 3 tours, ça ne passera pas. Une raison de quasiment 1,40 au tour. Ça devient de plus en plus délicat avec encore 2 boucles à faire. Même s'ils sont un peu avancés dans le circuit. Bref. Patrick Noturno ne trouve toujours pas cette ouverture sur Yannick Izzy pour l'obtention de la 10e place. On les suit depuis maintenant 10 bonnes minutes. Pas de rentrée au stand pour d'autres pilotes, si ce n'est Cédric Unreal et Vincent Cudeville. Un peu large peut-être Yannick sur cette sortie. Est-ce que Patrick aura l'aspiration pour l'aider? Ah non, malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour créer la différence au moment de toucher les freins. 25 tours couverts par le leader. Cyril Saucé également dans la voie des stands avec sa voiture. Voici, il repart, le pilote de cette voiture en bien plus loin, en 13e position il était. Alors Jean, 3 minutes 28, on va encore attendre, se permettre d'attendre un tour avant de rentrer, mais pas plus, puisqu'il reste, 2 minutes 28 de 2 minutes 20 de pit lane. Donc, il va devoir se refermer, je ne m'étonnerai pas que tous les TX3 plongent dans ce tour-ci. Hein. 2 minutes 11 de marge, ça fait très très limite. Et avec les mauvaises expériences qu'on a eues dans le passé, pour certains... Oui, il va rentrer, voilà, il plonge. Retour au stand pour Jean Lioré, le leader dans la pit lane. Est-ce qu'il va être imité? Je crois bien, il n'y a pas d'autre possibilité par ses petits camarades. Je crois que tout le monde va rentrer. Et effectivement, c'est ce que veut le règlement. Jean Lioré dans la pit lane. Maximilien Vedi. Et Terry Davidson qui ne rentre pas. Terry Davidson qui n'est pas rentré. Alors là, il doit nous sortir le chrono du jour. Parce que là, c'est le seul à ne pas avoir choisi de rentrer. Au moins, il aura été devant. Patrick Noturno non plus. Ça, c'est intéressant. Alors, Terry Davidson, leader de cette course, mais n'a pas ravitaillé. On va suivre ce tour parce qu'il doit faire vraiment là un tour de qualif pour aller chercher l'entrée des stands avant les 1 minute 02. Ah, c'est un pari incroyable de rentrer un tour plus tard. Peut-être juste pour avoir la pit lane libre, mais ça me paraît plus peut-être un étourdissement de la part de Terry Davidson. À moins qu'il soit parfaitement en mesure de ce qu'il fait, qu'il a parfaitement calculé son coup. C'est pas le seul, hein, évidemment. Jean Lioré évidemment est ressorti, est à 2 secondes 1, mais lui est théoriquement le leader de cette épreuve. Il reste 1 minute 35. On va entamer le dernier tour au prochain passage. Alors Terry, il ne faut absolument pas sortir large parce que sinon ce serait une catastrophe. Il était le mieux placé de sa structure. Et
Est-ce qu'il va réussir à rentrer dans cette pit lane dans les 15 secondes? Ça va se jouer vraiment à un fifrelin, 10 secondes. Et il va y arriver, je crois. Oui, je crois que c'est bon. Là, la pit lane est là. Oh, je ne sais pas si la pit lane n'était pas fermée. Est-ce que la pit lane était ouverte? Ça s'est joué à vraiment à une demi-seconde. Est-ce qu'il va être pénalisé alors qu'on a le dernier tour pour Jean? Non, ça va, il va pouvoir passer, je crois. Mais Terry Davidson qui est passé par le chat de l'aiguille. Et donc, nous avons en tête Patrick Nocturneau, mais il est dans la pit lane. C'est bien Jean Lioré qui est dans le dernier tour de cette course. Il reste 30 secondes au chrono. Il va donc s'imposer pour cette deuxième manche de la soirée. Alors, il y a des pilotes à la manette. Hein. Je tiens à préciser, alors je n'ai plus le nom, il me l'a d'ailleurs envoyé tout à l'heure. Ou hier, je m'en excuse. Mais certains pilotes ont été autorisés de rouler à la manette. Et ils se débrouillent très très bien. Jean Lioré qui va donc aller cueillir le drapeau à damier. Ah, ce serait une belle récompense après avoir rondement mené cette course, dépassé et pris le dessus sur ses adversaires directs. Ses collègues font un travail parfait pour l'instant puisque seul Terry Davidson qui est 5e et Cédric Unreal qui sont 6e peuvent peut-être rivaliser. Et Jean Lioré qui va donc dans son final lap venir cueillir la victoire. C'est fait. Succès pour Jean Lioré qui s'impose dans cette deuxième course. La BMW qui aura donc été la plus véloce de ce soir. Voilà, c'est fait. Check red flag. Drapeau à damier. Victoire de Jean. Deuxième position pour Maximilien Vedi. Troisième place pour Kevin Lagrange. Et quatrième position pour... la dernière des TX3. Et ensuite, on retrouve Terry Davidson, Cédric Unreal, Vincent Queudeville, Pierre Giarmoleo, meilleur représentant d'ACFR. Ensuite, Michael Van Leer, de premier GSR, devant Yannick Izzy, qui aura tenu le coup finalement. Cyril Sossé, 11e. Et derrière, eh bien, on joue... hop, alors que ça met un petit peu de voiture dans le gravier. Ça joue vraiment jusqu'à la ligne pour tout le monde. 28 tours donc dans cette épreuve de 45 minutes. Et on sera arrivé au bout pour quasiment tout le monde. Sauf peut-être Patrick Nocturneau. Sauf peut-être, pardon... il a abandonné tout à l'heure. Je suis déçu de ne pas avoir retenu son nom. Je suis désolé. Mais effectivement, Jean Lioré zibosse ce soir. Bravo à Jean pour eh bien, ce succès. Les pilotes qui sont en train de rentrer... Et on va se mettre en formation du côté des TX3. La bonne procédure. On voyait ça aussi à l'époque des Blue Sky à la FFSA. C'était de coutume. Et bien ici les TX3 qui sont donc pour l'instant et bien favoris de cette Interteam. Ils ont placé leur voiture sur le podium des deux courses aux trois premières places. Ça va être donc difficile. On compte sur les autres pour réagir. Et ce sera donc le 9 avril prochain avec la deuxième manche qui aura lieu sur le circuit de... Alors oui, pardon, j'ai eu un petit souci de déconnexion. On va aller chercher évidemment les images pour vous montrer évidemment le calendrier. La deuxième manche, ce sera évidemment du côté du Red Bull Ring. On ira en Autriche pour cette course qui, eh bien, je l'espère, se passera beaucoup mieux au niveau technique. Une nouvelle fois, désolé de ce qui s'est passé ce soir. On va se donner évidemment rendez-vous le 9 avril aux alentours de 21h10. Le briefing sera moins long, je vous le promets. Et je vérifierai que j'ai du son parce que là, je ne sais pas pourquoi ce qui marchait parfaitement à 19h30 ne marchait plus à 21h. Bref, merci à toutes celles et ceux qui ont pris leur soirée pour venir passer du temps avec nous en live. Merci à Anthony pour sa donation. Vous pouvez toujours effectuer d'ailleurs des dons dans la description. Merci à Shadowkeeper pour sa modération. Il a tout seul géré le chat. Merci à vous pour votre présence, votre patience. Et rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste, les amis, quelle que soit votre simu favorite. À la prochaine, bonne soirée.